26 octobre 1988, près de Düsseldorf. Depuis plusieurs semaines, la police allemande surveille des terroristes présumés près de la ville historique de Neuss. Les suspects sont désormais sur le point d'être interpellés. Maintenant. Police! Pika! Dans le coffre de la voiture, les policiers font une découverte surprenante. Ne touche à rien. La fouille des appartements occupés par les deux hommes produit également plusieurs passeports vierges, ainsi qu'un petit arsenal d'armes et d'explosifs. Quant à la radio retrouvée dans le coffre, un examen détaillé révèle qu'il s'agit d'une bombe. Ces engins utilisaient une combinaison de capteurs barométriques improvisés et de minuterie à courte durée. Donc, il était prévu de les introduire à bord d'un avion. Le capteur barométrique détecte les changements de pression, ce qui permet de déclencher le détonateur à une altitude déterminée. On a ainsi l'assurance que la bombe explose lorsque l'appareil est en vol. Ce dispositif est donc fréquemment utilisé pour des attentats sur des avions de ligne. Par ailleurs, les deux hommes arrêtés en Allemagne appartiennent à une organisation terroriste bien connue, le Front populaire de libération de la Palestine. En 1986, le leader de ce groupe a fait un discours en Libye au cours duquel il a dit que tant qu'il n'y aurait pas de paix au Moyen-Orient, personne ne serait en sécurité sur les appareils des compagnies américaines ou israéliennes. Hafez Dalkamouni achemine des armes en Syrie et au Liban. Quant à Marwan Krishat, c'est un artificier bien connu qui a fait déjà exploser en vol au moins un avion de ligne. À quelques mois de Noël, période de pic du trafic aérien, l'arrestation de ces deux hommes par la police allemande doit donc diminuer quelque peu les risques d'attentats. Deux mois plus tard, le vol Panam 103 relie Londres à New York. L'appareil a décollé il y a quelques minutes de l'aéroport d'Israël. 259 passagers se trouvent à bord. La plupart sont américains. Charles McKay travaille pour le gouvernement des États-Unis. Quant à Khalid Jafar, il revient à Détroit après un séjour au Liban et en Allemagne. Durant la première partie du vol, l'appareil met le cap au nord-ouest et survole l'Écosse. C'est ce qu'on appelle la trajectoire de Daventry, l'un des six couloirs aériens au départ de Heathrow. L'appareil va survoler plusieurs petites villes, dont Lockerbie. Dans cette petite bourgade isolée des basses terres écossaises, beaucoup ignorent l'intensité du trafic aérien au-dessus de leur tête. Panam a baptisé ce 747 Clipper Made of the Seas, le Clipper des mers. Lorsque l'appareil atteint son altitude de croisière à 9500 mètres, le pilote contacte le contrôle aérien. Ici Clipper 103. En palier, niveau de vol 310. 103, vous êtes identifié. Le capitaine James McQuarrie est âgé de 55 ans. Et comme de nombreux passagers, il rentre passer les fêtes aux États-Unis. Neuf mille mètres plus bas, les habitants de Lockerbie préparent Noël. Alors qu'ils discutent avec un ami, Michael Gordon entend un étrange grondement. Attends, il se passe quelque chose dehors. Il y avait un peu de tempête ce soir-là. Le vent soufflait de l'ouest, assez fort. Je l'entendais frapper contre la fenêtre.
De chez moi, on peut voir le Kirby parce que ma maison est dans les collines. Et j'ai entendu un bruit qui couvrait celui du vent. On aurait dit le tonnerre. Ça devenait de plus en plus fort. À la fin, ça ressemblait au bruit d'un avion de chasse. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'avions militaires qui passaient dans la région. Mais j'ai vu des objets sombres qui tombaient du ciel. Ils se découpaient contre les lumières de la ville. Et puis, à ma droite, assez haut dans le ciel, j'ai vu un objet noir et fin dont la surface était en feu. Et il tombait vers Lockerbie. Au moment de l'impact, il y a eu une énorme explosion et j'ai entendu les tuiles de ma maison se soulever. Allô ? Allô ? Après l'explosion, les lignes de téléphone ont été coupées. Lockerbie est ravagée par un violent incendie. D'immenses flammes s'élèvent dans le ciel nocturne. Michael Gordon se précipite vers le quartier le plus touché. La rue brûlait, les pelouses, les maisons aussi. Et c'était difficile d'avancer sans que mon pantalon et mes chaussures prennent feu. Il fallait sautiller parce que tout brûlait. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai trouvé un billet d'avion par terre, parfaitement intact. Il n'était pas brûlé, ni taché d'essence, ni quoi que ce soit. Et il y avait marqué « De Londres Heathrow à JFK, New York ». Pour une raison inconnue, le vol Pan Am 103 s'est écrasé sur la petite ville de Lockerbie. Au lever du jour, le drame apparaît dans toute son horreur. Plusieurs maisons ont entièrement disparu, volatilisées dans l'explosion. Au sud de la ville, un énorme cratère est visible. 1500 tonnes de roches et de terre ont été pulvérisées par l'impact. 11 habitants de Lockerbie ont perdu la vie et on ne retrouve aucun rescapé parmi les 259 passagers. D'après ce que je sais, j'ai perdu mon beau-frère et ma belle-sœur. À la place de leur maison, il n'y a plus qu'un cratère. Dans les ruines de leur maison, ils cherchent les corps des passagers. Cette catastrophe si soudaine a laissé les habitants de la petite ville en état de choc. Toute la rue était un lanceur de flammes. On est sortis et il y avait tous ces débris qui tombaient. Quelques heures à peine après le crash, des enquêteurs spécialisés arrivent sur place. Mick Charles est chargé de l'affaire par l'AAIB, sigle britannique de la Direction des enquêtes sur les accidents d'avion. L'un des premiers sites que nous avons été voir, c'était le cratère. Il y avait encore une odeur très forte de carburant d'avion, ainsi que des débris éparpillés un peu partout, avec par endroits des morceaux de corps humains. Mick Charles réunit son équipe pour organiser la collecte des débris. C'était poignant, il y avait beaucoup de monde, et c'était en quelque sorte le chaos. Chaque groupe sera dirigé par un inspecteur de l'AIB. Est-ce que vous avez des questions? Commençons au plus vite. Plus de 1000 policiers et 600 militaires affluent à Lockerbie.
On sentait que tout le monde essayait de prendre conscience de l'ampleur du drame. On avait compris que c'était colossal. Les débris sont mis dans des sacs plastiques transparents et laissés sur place pour être collectés plus tard. Des sacs sombres sont utilisés pour les restes humains. À quelques jours de Noël, la gaieté des fêtes a laissé place au deuil. Au début de l'enquête, la priorité était de localiser des débris pour retrouver le maximum de fragments de l'appareil. L'ampleur de la catastrophe échappe à l'entendement. L'armée nous propose un hélico. On peut s'en servir ? Tout à fait. Le nombre de débris est tel que les inspecteurs ont besoin de survoler la région pour avoir une vue d'ensemble de leur localisation. Il y avait très peu de cartes de la région et nous avons vite été à court. Donc au début, nous avons dû utiliser des photocopies en noir et blanc. Michael Gordon, policier, accompagne les enquêteurs pour les aider dans leurs recherches. Mon rôle était d'identifier les points de repère géographiques et de localiser les pièces de l'avion. Très vite, les enquêteurs prennent conscience de l'ampleur de la tâche. En hélicoptère, on a pu voir que les débris étaient concentrés dans une zone en forme de cône qui partait de Lockerbie et qui s'élargissait au fur et à mesure. Mon principal objectif était de déterminer comment les débris s'étaient répartis afin de pouvoir mieux guider les recherches au sol. Les enquêteurs stupéfaits constatent que les débris sont éparpillés sur une superficie immense. Plus de 2000 km². Il apparaît donc très vite que l'appareil s'est désintégré bien avant de toucher le sol. Normalement, les sites de crash sont relativement restreints. Mais à Lockerbie, c'était très différent. Au départ, la police a localisé une demi-douzaine de sites distincts. Un Boeing 747 se compose de plus de 6 millions de pièces. Et dans la masse de débris méconnaissables, les enquêteurs doivent retrouver l'élément clé qui leur permettra d'expliquer la catastrophe. Le cockpit est une triste preuve que l'appareil s'est désintégré en plein vol. Il est en effet retrouvé à 4 km à l'est de Lockerbie, séparé du reste des débris. En regardant le cockpit, on voyait que les vitres étaient intactes. Le nez de l'appareil lui-même était fendu. Et c'était comme si l'avion avait été coupé en deux juste après le cockpit. On pouvait faire le tour et aller regarder à l'intérieur. Les enquêteurs notent les positions des interrupteurs et des commandes dans le cockpit, constatant ainsi que le pilote automatique était enclenché et que les masques à oxygène se trouvent toujours dans leur compartiment. C'est la procédure standard qu'on applique pour n'importe quelle enquête de ce type. Et le résultat, c'est qu'il n'y avait rien d'anormal dans le cockpit. Tout indiquait que l'appareil était en vol de croisière. L'ampleur des dégâts à Lockerbie est par ailleurs rapidement expliquée. Les principaux débris qui sont tombés sur la ville étaient les ailes, l'aile droite et l'aile gauche, et un bout du fuselage au milieu. Selon les estimations des enquêteurs, l'appareil transportait plus de 100 000 litres de carburant. Une masse de 150 tonnes descendant presque à la verticale, à une vitesse de 500 nœuds, ça représente une énergie énorme. C'est cela qui a creusé le cratère. Cependant, pour découvrir la cause du crash, les enquêteurs doivent élargir leurs recherches. Il leur faut en effet examiner les débris retrouvés au sud de Lockerbie, qui ont dû se détacher de l'avion dans les premières secondes de la catastrophe. Tandis que le travail méticuleux de recherche sur le terrain continue, le dossier de maintenance de l'appareil est examiné. Or, son âge soulève des questions.
Le Clipper était en effet le 15e 747 construit par Boeing. C'était un des plus vieux Boeing 747. Il avait été construit en 1970. Donc il avait 18 ans et environ 75 000 heures de vol à son actif. Un élément critique de la structure aurait-il cédé au moment où l'appareil survolait Lockerbie? Les deux possibilités évidentes, c'était une rupture de la structure ou alors un acte de sabotage. Nick Charles, Tom Surman, FBI. Enchanté, je vous attendais. Tandis que les enquêteurs cherchent des réponses dans les antécédents de l'appareil, la piste du sabotage est également envisagée. On est venu apporter aux enquêteurs écossais notre expérience technique dans le domaine des explosifs pour chercher des indices révélant la présence d'une bombe. Deux ans plus tôt, une bombe avait fait exploser en vol un appareil de la compagnie Air India au large des côtes écossaises. L'avion et des indices déterminants avaient alors sombré au fond de l'océan. Cette fois, en revanche, les débris sont éparpillés dans la campagne écossaise. Si c'est bien une bombe qui a causé le crash, les enquêteurs ont donc une chance d'en retrouver la preuve. C'était une entreprise logistique de grande envergure. Il fallait retrouver tous les débris sans exception et ensuite les examiner pour tenter d'arriver à une conclusion. Quand on retrouvait des fragments par terre, des bouts de métal, on les récupérait pour chercher des traces d'explosion. Mais tant qu'on n'avait pas de preuves physiques de la présence d'une bombe, on a continué de parler d'un accident. Nous étions très attentifs aux dires des médias, qui évoquaient souvent la possibilité d'un acte terroriste. Mais ce qui compte, ce sont les preuves et la direction dans laquelle on mène l'enquête. Durant les 24 heures suivant le crash, quatre groupes terroristes différents revendiquent l'attentat. Les gardiens de la révolution islamique ont héroïquement vengé l'appareil iranien abattu par les forces américaines. Dick Marquise est un expert du FBI sur le terrorisme international. Plusieurs organisations ont revendiqué l'attentat ou se sont vues attribuer sa responsabilité. Des groupes iraniens, palestiniens et aussi irlandais. Six mois plus tôt, la marine américaine avait abattu un avion de ligne iranien. Personnes avaient trouvé la mort. Le gouvernement américain avait affirmé que c'était un accident, mais l'Iran avait juré vengeance. Cependant, d'autres menaces ont été émises quelques semaines avant le crash. L'ambassade américaine d'Helsinki a ainsi reçu un appel anonyme affirmant qu'une bombe serait bientôt placée à bord d'un vol Pan Am au départ de Francfort. Officiellement, cette menace n'était pas considérée crédible. Néanmoins, une note avait été affichée dans les ambassades américaines. Or, de nombreux passagers du vol 103 venaient de Francfort et avaient eu une correspondance à Londres. Au travail. Puis, à la veille de Noël, trois jours seulement après le crash, une découverte déterminante permet à l'enquête d'avancer. Vous savez tous ce que vous avez à faire? Tom, on peut se parler? Bien sûr. Voilà. Il vaut mieux mettre les gants. Mick Charles avait un bout de métal dans un sac en plastique. Qu'est-ce que c'est? On pense que c'est un bout des rails qui guide les conteneurs à bagages. Des enquêteurs sur le terrain ont retrouvé des éléments qui ne correspondaient pas au déroulement normal des événements dans le cadre d'une rupture de la structure. Il y a eu une explosion. C'est ce que nous pensons.
Le métal porte des petites marques, des creux caractéristiques de l'explosion d'une bombe. Les gaz chauds libérés par la combustion due à l'explosion frappent le métal et y font des petites cavités. Un peu comme si on prenait une lampe à souder et qu'on effleurait à peine une pièce de métal. Ça fait un petit creux. C'est le premier débris retrouvé en dehors de Lockerbie qui semble avoir été exposé à des flammes. Vous l'avez trouvé où ? Je vais vous y emmener. La campagne écossaise est désormais la plus grande scène de crime au monde. Lorsqu'arrive le jour de Noël, les habitants de Lockerbie n'ont guère l'esprit à la fête. Tous sont encore sous le choc. C'est un Noël qu'on n'oubliera jamais. C'est vraiment tragique. Je ne pourrai plus jamais croire en Dieu. Mais pour les enquêteurs, ce 25 décembre reste un jour de travail comme les autres. Selon moi, le plus frappant à Lockerbie, c'était le fait que tout cela se passait à Noël. Mais nous sommes restés là-bas pour faire notre travail. Les enquêteurs se retrouvent sur un champ à l'extérieur de la ville. Par ici ! Criez encore, on ne vous voit pas ! Par ici ! Le temps était devenu abominable. Il y avait du brouillard, de la bruine. On n'y voyait pas à 3 mètres. Et il y avait des débris absolument partout. Un autre bout du rail de conteneur à bagages est retrouvé. Ça ressemble à la pièce d'hier soir, mais il manque un bout de 20 cm. Et lo and behold, et c'était effectivement l'autre bout du rail. Il était planté dans le sol. On a pris des photos, et c'était comme un cadeau de Noël de retrouver l'autre fragment qui avait subi l'explosion. On n'était pas fascinés, mais plutôt remontés à bloc. Le débris métallique porte également des traces d'explosion, des creux comme des cratères. Le fragment a été retrouvé au début de la zone de recherche sud. Ce qui laisse à penser qu'il était parmi les premiers débris à se détacher de l'avion. Nous étions convaincus qu'une bombe avait provoqué le crash. Mais nous avons préféré ne rien dire avant d'avoir une confirmation des experts en criminalistique. Un laboratoire britannique réussit alors à faire le lien. Des traces de deux composants chimiques utilisés pour fabriquer des explosifs plastiques sont en effet trouvées sur les débris. Le 28 décembre, soit une semaine seulement après le crash, les enquêteurs ont donc une preuve et ils l'annoncent officiellement. Il a été établi de façon certaine que deux fragments du rail de conteneur à bagages portent des traces de produits explosifs. Le crash du vol Panam 103 est désormais officiellement dû à un attentat. Notre mission à Lockerbie était d'identifier les coupables et de trouver des preuves. Parce qu'on voulait traduire en justice les individus qui avaient tué ces 270 personnes. La piste terroriste étant officiellement confirmée, de nombreuses rumeurs commencent à circuler. Deux passagers notamment attirent l'attention des médias. D'abord, Charles McKee, qui travaillait pour le département de la défense des États-Unis. Charles McKee revenait du Moyen-Orient, où il avait essayé de faire libérer des otages capturés au milieu des années 80. Les otages que Charles McKee avait pour mission de faire libérer étaient retenus au Liban. En 1988, le pays se trouve en effet aux prises avec une terrible guerre civile. Et les Américains sont considérés comme des prises de choix utiles lors de négociations. Certains médias ont émis l'hypothèse que Charles McKee aurait été visé à cause de son travail. Le second passager auquel s'intéressent les médias, c'est Khalid Jafar. Ce jeune homme de 20 ans rentrait aux États-Unis après un séjour au Liban et en Allemagne.
Une bombe a pu être introduite à bord par une personne avec un nom originaire du Moyen-Orient. Donc Jafar était un suspect potentiel. Bien que ces spéculations remontent jusqu'au Congrès américain, aucune preuve ne vient confirmer l'implication de Khalid Jafar, ni la théorie selon laquelle Charles Mackie était visé. On a passé en revue tous les passagers de l'avion pour voir si quelqu'un aurait pu donner une bombe à l'un d'eux. Mais ce n'était pas le cas. À Lockerbie, les enquêteurs continuent d'examiner les tonnes de débris enchevêtrés. En théorie, nous aurions pu mettre un terme à l'enquête. Mais étant donné que les débris étaient tombés sur la terre ferme, c'était une occasion idéale pour tout collecter et tenter de comprendre. Nous savions que c'était une petite bombe, mais nous ignorions le processus explosif. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement au fuselage de l'appareil. Et ils transportent une partie des débris dans un hangar de l'armée, juste à côté de Lockerbie. C'était un hangar de 20 000 mètres carrés, suffisamment grand pour nous permettre d'étaler le fuselage ouvert comme un coquillage. Et on a utilisé la ligne centrale sur le ventre de l'appareil comme point de repère principal. Le fuselage d'un avion est fixé avec des rivets sur une série de cadres. Chacun porte un numéro en fonction de son éloignement par rapport au nez. Avant de disposer les débris en deux dimensions, on a placé des lignes par terre pour avoir un quadrillage conforme à la géométrie de l'appareil. Le Boeing 747 est alors réassemblé comme un énorme puzzle. Une grande partie des pièces ont une forme caractéristique qui permet de dire tout de suite, ça c'est un cadre de porte par exemple. Et beaucoup sont aussi numérotés, donc on peut identifier des fragments assez petits qui paraissent impossibles à reconnaître au départ. Tandis que le travail continue, d'autres débris portant des traces d'explosion sont retrouvés. Ok, ça va au point 817204. Lorsqu'ils assemblent les pièces à l'avant de la structure, les enquêteurs font une découverte macabre. C'est à cet endroit que la bombe a éventré l'appareil. On a pu constater qu'une partie de l'appareil avait subi des dommages très différents du reste. Cette section du fuselage a en effet été pulvérisée en multiples fragments. La structure du fuselage autour de l'explosion était noircie et les rebords des fragments étaient très irréguliers, beaucoup plus que dans le cas d'une rupture normale. Le cadre 700 passe juste ici. Non seulement les enquêteurs ont prouvé la présence d'une bombe, mais ils savent désormais où l'explosion s'est produite. À l'avant de la soute à bagages. Peter Clayden est chargé de reconstituer les conteneurs à bagages qui se trouvaient à proximité de l'explosion. Mon objectif était d'identifier le conteneur où l'engin explosif se trouvait. Et on avait une vingtaine de conteneurs de construction similaire. Donc c'est comme essayer d'assembler 20 puzzles mélangés. Les enquêteurs se concentrent sur les débris retrouvés dans la zone de recherche sud, c'est-à-dire les fragments éjectés juste après l'explosion. Notre conclusion était que deux conteneurs seulement à bord de l'appareil portaient des traces d'explosion. L'un était en aluminium, l'autre en fibre de verre. Et ils devaient être côte à côte quand l'engin a explosé. Le conteneur en métal portant le code AVE4041 se révèle particulièrement intéressant. Il se trouvait juste derrière le cadre 700. Là où l'explosion a fait le plus de dégâts. Le conteneur en métal avait subi des dégâts importants.
Pour le conteneur en fibre de verre, on pouvait parler de dégâts collatéraux. Les enquêteurs assemblent alors une structure métallique sur laquelle ils fixent les débris du conteneur. Ce procédé leur permet d'établir avec certitude que la bombe ayant causé le crash se trouvait bien à cet endroit. En examinant en détail les dégâts subis par les parois du conteneur, les enquêteurs parviennent également à déterminer la hauteur de l'explosion et donc l'emplacement du bagage incriminé. J'ai constaté que l'engin explosif était probablement dans une valise. Et cette valise était probablement à mi-hauteur du conteneur. D'après la liste des bagages enregistrés, cela signifie que la valise contenant la bombe venait d'un vol de correspondance. En tentant de reconstituer le conteneur en métal, les enquêteurs découvrent également un débris non identifié. J'ai vu un petit fragment coincé dans les plis du sac plastique. Et quand j'ai déplié le sac, il est tombé. J'ai vu à ce moment-là que c'était un petit bout de circuit intégré. Vous pouvez m'apporter un appareil photo, s'il vous plaît ? Envoyez ça au labo. Ça pouvait provenir de la bombe, de l'appareil ou même d'un rasoir électrique. Des experts britanniques identifient finalement le circuit comme appartenant à un modèle précis de poste radio. La nouvelle de cette découverte parvient alors à Tom Sherman, revenu entre-temps au quartier général du FBI à Washington. De fait, on a pu établir que ce circuit venait d'une radio Toshiba SF-16. Et ironiquement, ce modèle particulier portait l'inscription Bomb Beat, le rythme explosif. La bombe se trouvait à l'intérieur du poste radio. C'était donc un engin très similaire à celui saisi 2 mois avant l'attentat, lors de l'arrestation du réseau palestinien en Allemagne. Des terroristes auraient-ils échappé au coup de filet ? La bombe du vol 103 aurait-elle été fabriquée en Allemagne ? Au départ, la cellule allemande du Front populaire de libération de la Palestine était l'un des principaux suspects. Tout indiquait que ce réseau était probablement responsable de l'attentat. 49 passagers du vol 103 ont commencé leur voyage en Allemagne, à l'aéroport de Francfort. À Londres, leurs bagages ont donc été transbordés dans le Boeing 747 de la Pan Am. Or, la compagnie aérienne n'a pas vérifié si les passagers correspondants ont effectivement embarqué. Il est donc possible qu'une bombe fabriquée en Allemagne ait été placée à bord à Heathrow, tandis que le terroriste s'échappait. Si c'était le cas, il fallait le prouver. Même si la marque est identique, les enquêteurs constatent cependant que le poste radio utilisé lors de l'attentat est légèrement différent de celui qui a été saisi en Allemagne. Dans les deux cas, la bombe était dans une radio Toshiba. Mais le premier poste avait seulement une enceinte, alors que le second en avait deux. C'était un modèle un peu plus moderne. La différence de modèle soulève des doutes. La piste allemande n'est peut-être pas la bonne. Quand on examine un engin explosif, on peut dire parfois qui l'a assemblé. Parce qu'on a déjà vu cette méthode ailleurs. Tel artificier construit des bombes de telle façon. C'est ce qu'on appelle sa signature. Les enquêteurs ont besoin de plus d'indices pour découvrir qui a fabriqué la bombe. La valise qui contenait l'engin pourrait fournir une piste. En étudiant des débris, des experts britanniques parviennent à établir qu'il s'agissait d'un modèle rigide, une Samsonite 4000. Or, ce modèle précis n'a été fabriqué qu'à quelques milliers d'exemplaires, tous vendus au Moyen-Orient.
Des lambeaux de vêtements sont également identifiés comme ayant été à proximité de l'explosion. Ils se trouvaient donc probablement dans la même valise que la bombe. Or, la plupart de ces vêtements proviennent du même fabricant, qui n'est distribué que sur la petite île de Malte. Malte est donc devenu le centre de l'enquête, parce que c'est là qu'étaient fabriqués et vendus certains des vêtements retrouvés à Lockerbie. Lorsque les enquêteurs retrouvent la boutique où ces vêtements sont vendus, le propriétaire leur donne un nouvel indice. L'élément clé pour nous, c'est que l'acheteur avait un accent libyen. Or, on n'avait pas encore de lien entre la Libye et l'attentat. La vente aurait eu lieu 2 semaines à peine avant l'attentat. En 1988, la Libye est en mauvaise posture après une série de confrontations avec l'armée américaine. Des sanctions économiques ont été imposées et le pays se trouve isolé sur la scène internationale. Son président, Muammar Kadhafi, est violemment anti-américain. L'attentat du vol Paname a donc peut-être été commis par la Libye pour frapper les États-Unis. En examinant la liste des bagages enregistrés, les enquêteurs découvrent qu'une valise a été envoyée de Malte à Francfort ce jour-là. Le bagage numéro B8849 a ensuite été envoyé à l'aéroport d'Israël, puis chargé dans le conteneur AVE4041 du vol Paname 103. C'était la valise Samsonite dont les enquêteurs sont désormais certains qu'elle contenait la bombe. Plus d'un an après le crash, une nouvelle découverte permet d'y voir plus clair, parmi les pistes embrouillées de l'enquête. Un autre fragment de circuit intégré est retrouvé dans les vêtements en provenance de Malte. Ça ne provenait pas de la radio Toshiba SF-16. Et ce fragment de circuit était plus petit qu'un ongle. Lorsque Tom Surman reçoit une photo du circuit, il pense avoir affaire à un fragment du minuteur de la bombe. J'ai passé des mois à éplucher tous les dossiers que le FBI avait accumulés pendant de nombreuses années sur des cas semblables. Dans ses archives, le FBI possède des photos de minuteurs utilisés partout dans le monde. Pourtant, Surman ne trouve rien qui ressemble au fragment de Lockerbie. Suivant. Au bout d'un moment, je suis tombé à court de pistes. Et je me suis dit qu'il était temps de sortir physiquement des laboratoires du FBI. L'agent fédéral finit par emmener la photo au bureau de la CIA. J'ai dit à un de mes contacts, il faut que je te montre quelque chose. En parcourant des dossiers, Tom Surman repère alors le même minuteur sur une photo. Attends. On dirait le même. Vous avez ce minuteur ? L'examen du minuteur saisi par la CIA laisse alors Tom Surman stupéfait. En quelques minutes, j'ai commencé à avoir des frissons. Et en ce moment même, le simple fait d'en parler me donne des frissons à nouveau. C'est vraiment gravé dans ma mémoire. Le circuit était exactement le même que celui sur la photo. On a trouvé. Le minuteur conservé par la CIA provient d'Afrique. Il a été saisi quelques années plus tôt auprès de 2 Libyens qui tentaient d'embarquer à bord d'un avion avec plusieurs kilos d'explosifs. Le minuteur est identique à celui du vol 103. Par ailleurs, le dispositif ne comporte pas de capteur barométrique, comme c'était le cas pour la bombe retrouvée en Allemagne. Il est réglé pour se déclencher à un moment précis, et non à une certaine altitude. C'est une bombe à minuterie longue durée qui a fait exploser cet avion. Mais il nous restait à découvrir la provenance de l'engin. La bombe de Lockerbie avait un minuteur différent de celle saisie en Allemagne et elle était dissimulée dans un autre modèle de poste radio. Il est donc probable que l'artificier n'était pas le même.
Ce n'était pas du travail d'amateur. Le minuteur avait été préparé de façon extrêmement professionnelle. Tandis que l'enquête criminelle s'enfonce dans les eaux troubles du terrorisme international, celle sur le crash prend une direction différente. De Lockerbie, le travail d'investigation est en effet transféré à Farnborough, en Angleterre. La ville est un centre d'industrie aéronautique et accueille le siège de l'AAIB. Plusieurs mois après le crash, les inspecteurs se lancent alors dans une entreprise de grande envergure. Ils commencent à réassembler une section du fuselage de 20 mètres de long dans l'espoir de récolter des informations que la reconstitution en deux dimensions n'a pas pu leur apporter. Les enquêteurs constatent ainsi que l'explosion a causé un trou de 1,50 m sur 5 m dans le flanc de l'appareil. Chris Prosero est inspecteur principal à l'AAIB. Ce qui était très difficile à comprendre, c'est que la zone directement endommagée par l'explosion était minuscule par rapport à la taille d'un Boeing 747. Donc la question était de savoir comment ces dégâts très limités ont pu aboutir à la destruction complète de l'appareil. La bombe du vol 103 contenait moins de 500 grammes d'explosifs. Pourtant, son pouvoir destructeur s'est révélé immense. Les enquêteurs souhaitent donc étudier le comportement des ondes de choc à l'intérieur d'un avion. C'est un peu comme faire un arrêt sur image en vidéo. Si on arrive à saisir l'instant précis de l'explosion, on peut apprendre beaucoup de choses sur le processus. Il apparaît alors que les dégâts subis par l'appareil ne sont pas tous dus à l'onde de choc initiale. Au niveau du plafond, une partie du revêtement extérieur a été soulevée avec une telle force que les rivets de fixation ont été arrachés. Cette section du fuselage a donc été soufflée par une onde de choc. La reconstitution en 3D nous a également permis de localiser des zones, sur le revêtement entre autres, qui avaient subi des dégâts suite à une surpression, ce qui signifie que l'onde de choc a été réfléchie dans l'espace interne de l'appareil. La cabine de l'avion agit comme une chambre de réverbération. Les ondes de choc de l'explosion sont réfléchies et gagnent en puissance, jusqu'à ce qu'elles rencontrent un point faible dans la structure et s'ouvrent un passage. Les travaux menés à Farnborough démontrent avec clarté la puissance destructrice d'une bombe, même petite. Et donc, l'importance vitale de l'arrestation des terroristes. Presque deux ans après la catastrophe de Lockerbie, la piste du minuteur mène les enquêteurs à Zurich. Le fabricant est en effet une société suisse du nom de Mebo. L'un des propriétaires de l'entreprise reconnaît alors le dispositif. Au total, 20 minuteurs ont été fabriqués et tous ont été remis au gouvernement libyen. Si au début de l'enquête, les soupçons s'orientaient vers le réseau palestinien installé en Allemagne, les éléments s'accumulent désormais, montrant que ce groupe n'est en rien impliqué dans l'attentat. Il y avait beaucoup de suspects, et c'est seulement quand on a amassé suffisamment d'indices qu'on a pu désigner la Libye. Les enquêteurs ont pu faire le lien entre le minuteur et la Libye. Ils savent également que les vêtements se trouvant dans la valise ont été achetés par un Libyen. Enfin, une série de confrontations militaires a récemment opposé la Libye aux États-Unis. Il ne reste plus qu'à arrêter le coupable. En 1999, c'est enfin chose faite. À l'époque de l'attentat, Abdel Al-Megrahi appartenait au service de renseignement libyen. Il est arrêté et mis en accusation par la justice écossaise. C'était un haut gradé libyen, donc il avait accès à tout le matériel nécessaire. Et notre enquête a montré qu'Al-Megrahi avait une société écran en rapport avec Mebo. Il s'était rendu plusieurs fois à Zurich, donc quand on voit les liens, tout se met en place et coïncide. Ce qui rend nos preuves plus faciles à accepter.
En 2001, Abdel Al-Megrahi est condamné à la détention à perpétuité pour le meurtre de 270 personnes. Deux ans plus tard, le gouvernement libyen accepte officiellement la responsabilité de l'attentat et paie 2,7 milliards de dollars aux familles des victimes. Selon les enquêteurs écossais, cependant, la compagnie Pan Am n'est pas exempte de reproches. En effet, le passager qui a introduit la bombe à bord du vol 103 n'a pas embarqué avec sa valise. La Pan Am aurait donc pu déjouer l'attentat si elle avait respecté les procédures de sécurité. Une des découvertes de l'enquête sur cette catastrophe aérienne, c'est que plusieurs bagages qui se trouvaient à bord de l'avion ne correspondaient à aucun passager. À la suite de l'attentat sur le vol Air India, les mesures de sécurité avaient été renforcées et les compagnies aériennes devaient notamment s'assurer qu'aucun bagage sans passager ne soit embarqué. C'est ce qu'on appelle la réconciliation entre bagages et passagers. Or, à l'aéroport d'Israël, Pan Am a enfreint cette règle sans en avertir les autorités. Chaque bagage doit correspondre à un passager. Or, cela n'a pas été respecté. La compagnie aérienne est finalement reconnue coupable de faute volontaire. À la suite du crash et du verdict de la justice écossaise, Pan Am fait faillite. 20 ans après la catastrophe du vol 103, les débris déchiquetés de l'appareil se trouvent toujours dans les locaux de l'AAIB à Farnborough, en Angleterre. Le fuselage reconstitué servira peut-être bientôt à former des enquêteurs du monde entier. Les enseignements tirés du drame pourraient en effet se révéler d'une grande importance en cas de nouvelle attaque terroriste. Ce qui m'a vraiment marqué dans la catastrophe de Lockerbie, c'est la coopération exceptionnelle des différents organismes impliqués. Et étant donné que 2500 personnes environ ont participé à l'enquête, avec l'armée, la police, etc., je pense que c'est un bel hommage. Lockerbie était un moment très spécial. Et on est fiers d'y avoir contribué. C'est une satisfaction. On a joué un petit rôle, mais tout le monde a apporté un petit quelque chose pour arriver à un succès global. Aujourd'hui, à Lockerbie, il ne reste que peu de traces de l'horreur tombée du ciel il y a 20 ans. Dans une petite église près de l'endroit où le cockpit de l'appareil s'est abattu, un mémorial rappelle le terrible coût humain du terrorisme et l'importance de traduire les coupables en justice.